Hello à tous, on se situe dans ma ville natale, au Mans. Je suis en compagnie de David. Salut David, comment ça va? Salut Sébastien, très bien, merci. Donc aujourd'hui, cette semaine, je vous fais un petit weekly vlog. Comme j'ai pu le faire à une époque, ça avait été bien apprécié. Donc je me suis dit, tiens, cette semaine, je vais en refaire un. Là aujourd'hui, je suis en compagnie donc, de David. On va visiter un bien immobilier, puisque David n'est pas du Mans et fait un investissement locatif sur le Mans pour faire de la colocation, de la courte durée, et puis de la location aussi classique, en mue, je pense. Hein. On va voir. Hein. Donc on va visiter tout ça, je vais faire une petite vidéo, je vais te faire voir ça sur ce petit vlog. Et puis l'idée, c'est, aujourd'hui on a passé pas mal de temps aussi à ce que David fait de l'hypnose, hein, c'est ça. C'est et ça. Du coup David a fait pas mal d'accompagnement par rapport à ça, donc on a pas mal discuté sur ces projets-là. Là ça va être tout droit. Ouais, tout droit. Voilà. Et du coup l'idée de ce weekly vlog, c'est de te faire partager un petit peu ma semaine, que tu puisses voir un petit peu en quoi consiste une semaine d'un entrepreneur, de quelqu'un qui fait de l'immobilier comme moi. On continue et je te dis à très bientôt. Et si David, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui veulent se lancer dans l'immobilier, quel conseil tu leur donnerais? Je pense au mindset, puisque on a tourné des vidéos par rapport à ça aujourd'hui aussi ce matin. Mais quel conseil tu leur donnerais? C'est ce qu'on dit en thérapie également, stratégie de réussite. Objectif flou, connerie précise. Donc c'est de bien déterminer à court, moyen et long terme quel est votre objectif ou quels sont vos objectifs. Et comme on parle d'investissement immobilier, on parle aussi de chiffres. Donc clairement déterminer votre objectif. Et pour ce faire, je rajouterai formez-vous et entourez-vous des bonnes personnes pour cela. Super, je te remercie. Allez, on se trouve dans le projet IMO donc de David. Je vais te faire voir ça en vidéo. C'est parti. Allez, bienvenue dans cette deuxième partie. Donc là on se situe, donc aujourd'hui j'en ai profité parce que j'ai pas mal de choses à voir sur mon appartement qui est en cours de rénovation. Je vais faire ça dans quelques instants. Donc la journée, je vais retourner chez... quand on fait des travaux, la rénovation, il y a toujours des soucis, toujours des problèmes. Là, par exemple un truc tout bête. Mais ça, le coloris n'est pas exactement le même que celui qu'il y avait de manière initiale. Donc je vais retourner rééchanger tout ça. Et puis il va nous manquer un peu de parquet, donc je te fais voir en même temps, j'en profite. Voilà, mon nouvel appartement que je vais mettre en location Airbnb, bien évidemment, tu le sais si tu me suis. Voilà, donc là je sais pas si ça rend très très bien avec la caméra. Du papier peint, voilà, puis là ici on va donc mettre le parquet. Donc là j'ai quelqu'un qui vient demain. Là je vais faire livrer après-demain la cuisine, qui sera donc ici et ici. Voilà, donc faut que je trouve quelqu'un pour me poser la cuisine. Et puis là, on est aussi sur, donc, voilà, ne fais pas attention à tout le bazar, mais là, typiquement, on a déjà tout le... Là, j'ai pas mal de matos parce que j'ai récupéré ça d'un ancien appartement. Enfin, j'ai fait de la récup, en gros, de matériel pour meubler l'appartement. Voilà. Donc là, ça se fait tranquillement. Voilà, il reste des petites choses à faire. Il reste changer les toilettes parce que ça va pas, c'est trop ancien. Voilà, là on a mis un truc qui est sympa. C'est que là, historiquement, il y avait des néons. En fait, c'est un ancien
local professionnel que j'ai reconverti et transformé en habitation. Donc on a mis des petits puits de lumière comme ça, ça fonctionne bien, c'est tout petit. Et bah, ça diffuse pas mal de lumière, quoi. Franchement c'est top. Voilà. Et puis là du coup on a la salle de bain. Voilà, qui est quasiment terminée, il va nous rester les plinthes à faire. Voilà, la peinture a été faite, tout ça, ça a été complètement fait, le petit siège serviette. On a déjà mis la machine à laver, enfin voilà. Voilà un petit peu pour cette journée, donc voilà un petit peu le programme. Là tout à l'heure, j'ai fait le point avec le city manager sur la gestion de la conciergerie. Et puis, bah, on continue, on enchaîne. Allez, je t'emmène avec moi là aujourd'hui, parce que j'ai mon city manager qui est aussi mon associé qui est en vacances. Donc du coup là, et puis vu qu'on a rentré pas mal d'appartements ces dernières semaines, du coup on est encore pas très bien organisé, parce que là on a vraiment eu un gros pic d'activité. Donc c'est que cette semaine c'est moi qui fait le city manager, tu vois. Donc comme quoi, hein, ça arrive, même quand on cherche à faire des revenus passifs, bah, il y a des moments donnés dans la vie où il faut accepter de passer du temps à bosser. Donc là du coup je t'emmène avec moi, je vais te faire voir ça, on va partir sur des appartements. Allez. Bon, bah tout ça, ça a été rangé. Voilà, tout ça, c'est les livraisons de linge. Hélice, voilà, pour la semaine. Tout ça pour la semaine. Et puis, on a toujours un peu de stock d'avance. Voilà, donc Hélice, bah, comment ça fonctionne? Bah, en fait, c'est assez simple. Hélice nous livre donc une fois par semaine dans des racks comme ceci, eh bien, donc du linge, tout simplement. Donc, il nous livre du linge et derrière, eh bien, on remplit les sacs du linge sale une fois par semaine et eux nous ramènent du linge propre. Alors oui, apparemment il y en a aussi ici. Ah voilà, il y a aussi tout ça. Voilà. Donc tout ça, c'est ce qui nous a été livré pour la semaine. Ouais, pas mal de stock. Et du coup tout ça ensuite, eh bien, dès que c'est sale, c'est remis dans les sacs. Et ils viennent rechercher les sacs. Et ensuite, eh bien, la semaine suivante, tu l'as compris. Eh bien, tout simplement, ils viennent rapporter du linge propre qui est repassé, plié. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Tu vois, c'est vraiment bien. Bah, c'est bien foutu, quoi. C'est bien repassé, c'est bien propre. Voilà. Tout ça, c'est bon. Voilà. Et puis là, on a toutes les têtes d'oreiller. Là, c'est vraiment top. Et puis là, du coup, on a toutes les serviettes. Petite taille, grande taille. Voilà. Là, on a tous les petits chiffons. Petits chiffons de cuisine. Tac. Voilà. Et là, du coup, on a une organisation qui est juste terrible. Parce qu'auparavant, on avait utilisé tout ce qui était machine à laver, etc. Sèche-linge qui était là, d'ailleurs. Voilà. Juste ici. Voilà. Et du coup, puis là, on a tous nos toutes nos clés. Comme tu peux voir, toutes les clés d'appartement sont ici. Donc ça fait quand même pas mal de clés. Tu vois le petit master lock qu'on utilise régulièrement. Voilà. Tu vois, tu rentres vraiment dans les coulisses là. C'est alors, on est un peu à l'étroit. Je te cache pas qu'on a eu une progression assez rapide sur les appartements. Mais voilà, tu vois, on a une petite réserve de café. Voilà, ça c'est pour les machines, les aspirateurs. Tac. Voilà, donc du coup, bah, t'es dans les coulisses. Donc là, maintenant, on va partir. Comme je t'ai dit, cette semaine, je suis en remplacement. Je donne un coup de main parce que là, on était en termes d'organisation, on n'était pas bon du tout. Donc là, on va partir sur des appartements pour emmener les draps, etc. pour que le personnel nettoyage puisse eh bien, commencer son nettoyage. Donc voilà un petit peu ma semaine. Donc une semaine assez. comment je pourrais dire ça ? Assez chronophage, mais on va faire des tâches chronophages, mais bon, ça permet aussi de désengorger un éventuel problème, puis c'est surtout qu'on est, au mois d'août et qu'on est en insuffisance de personnel sur ce mois-ci et qu'on a eu une grosse progression d'appartements ces derniers temps et bah du coup on n'a pas pu se réorganiser, on n'a pas pu avoir du personnel suffisamment pour pouvoir anticiper cette période-là, sachant qu'on est sur une période qui est assez active quand même, juillet-août. Sur ma ville, voilà, tu sais tout. Allez, on continue.
Allez. T'avais pu voir dans les précédents vlogs. Voilà, on a fini de poser la cuisine. Il reste le four et puis la plaque à connecter. Parce que le câble était pas assez long, je vais retourner le Roi Merlin. Mais voilà, ça devrait être plutôt sympa. Là, voilà, pour le client, ça va vraiment très très bien. Voilà, mise en exploitation de cet appartement, je pense, semaine prochaine. Il reste encore quelques petits détails à régler. Notamment ça, à repeindre. Voilà, et puis voilà, il y a déjà pas mal de choses qui ont été préparées. On a mes petits... ça va me plaire, ça, les petits radiateurs connectés en Wi-Fi, ce qui va permettre de gérer la température à distance. Voilà. Et puis du coup, là, c'est pareil. Il reste encore un peu de câblage à faire, mais on est plutôt pas mal. Allez, on enchaîne parce que c'est gros jour. Allez, donc là on continue nos livraisons de sacs. Donc là, comme je le disais, cette semaine c'est une semaine assez incroyable. Là je me mets de la peau du city manager. Donc voilà notamment son quotidien, ce qu'on doit transférer les sacs, hein. Comme je t'ai expliqué dans le précédent vlog, les sacs sont gérés, les sacs de linge. En fait, la partie la plus délicate dans la conciergerie, c'est le linge. Donc les linges sont gérés par Ellie, sont laxalisés. Par contre, après, il faut les transférer, quoi. Il faut emmener les sacs, les ramener, etc. Alors, il y a plusieurs solutions. On peut le faire avec le personnel nettoyage, mais ça veut dire qu'elles vont perdre du temps. Et puis, le métier nettoyage, c'est déjà un métier qui est bien fatigant. Et à mon sens, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui fasse les transferts, qui fasse que ça de ses journées. Non, mais en gros, ça prend la matinée, quoi. En fonction des jours, ça prend entre 1 heure et, on va dire, et 3 heures. Voilà. Les appartements, on a essayé de les concentrer tous sur le centre-ville pour justement ne pas passer trop de temps. Donc on dépose les sacs partout, on ramène les sacs, on ramène tout ça donc à l'office, et après du coup ça y est, c'est terminé, là, la journée est terminée en termes de transfert de sacs. Ce qui est super important aussi, c'est de bien automatiser, c'est-à-dire que les clés soient bien partout, que tout soit bien prévu avec des codes et tout ça, que tout soit bien organisé. Donc on l'a mis en place, ça marche. Avoir quand même toujours un trousseau de secours, parce que les voyageurs, malheureusement, ça peut arriver qu'ils oublient de remettre les clés ou ils les remettent pas au bon endroit. Enfin bon, il y a toujours des couacs, ça arrive. Donc toujours avoir une solution de backup, hein. toujours ne pas vous partir du principe que tout va bien se passer, parce qu'il y aura toujours des problèmes. Et en conciergerie, il faut pas perdre de temps. Donc si tu commences à perdre du temps, à oublier des clés, c'est mort. Faut être hyper organisé si tu veux que ça fonctionne super bien, ta conciergerie. Et si c'est bien organisé, crois-moi que ça fonctionne. Là, je le fais cette semaine en remplacement, puisque mon city manager est en vacances. Alors là, ça sera, je pense, l'unique fois où tu verras faire ça, puisqu'on a prévu de se réorganiser et de prendre une deuxième personne qui va l'assister, un chargé d'exploitation, pour que lui, il soit vraiment plus dans le management de tout ça, et qu'on ait vraiment quelqu'un sur le terrain qui effectivement fait les transferts de sacs et pas uniquement résout les problèmes, amène des piles s'il manque des piles, enfin tout ce petit quotidien. Mais si c'est bien organisé, c'est bien géré, normalement tu es hyper productif et tu peux gérer une dizaine d'appartements dans la matinée sans aucun problème, pour une, même plus que ça. Hein, faut que tout soit bien calé, bien organisé sur des plannings, ton personnel nettoyage soit au courant de tout, et prévoir toujours des solutions de backup. Il manque un personnel nettoyage, il manque une clé, toujours qu'il y ait un backup. Toujours, parce que sinon tu passes ton temps à aller à droite à gauche, tu perds tout ton temps, et le temps c'est de l'argent, et tu le sais d'autant plus si tu me suis sur cette chaîne. Moi, mon temps il est optimisé et hors de question, je perds du temps. Donc là j'avais bloqué cette semaine là exprès, quelque part c'est bien parce que ça me permet aussi de voir tu vois, le quotidien et voir tous les petits problèmes qu'on peut avoir. Alors oui, bien évidemment, quand tu es dans la peau d'un investisseur et que tu cherches des revenus passifs, oui, bien évidemment, tu vas pas passer tes journées à faire ça. Mais au départ, en tout cas, je t'encourage vraiment à le faire. Et pourquoi pas même le refaire une fois avec ton city manager. Pendant une semaine, tu vas avec lui et tu passes ton temps avec lui. Tu peux voir justement les problèmes. Qu'est-ce que c'est que passer une semaine à bien recaler son business pour faire en sorte qu'après, tout fonctionne comme sur des roulettes. Et là, j'étais bien content quelque part de faire ça cette semaine-là. Ça m'a permis d'être sur le terrain et justement de résoudre tous ces petits tracas qu'on peut avoir et qu'on peut découvrir finalement
au quotidien. Voilà, allez, là on arrive sur un nouvel appartement et je te reprends un petit peu plus tard. La petite application Nuki, tac, c'est ouvert. Allez, donc là on se retrouve dans un des appartements. Dans un des appartements que là cette fois-ci c'est de la conciergerie, c'est pas de la sous-location. Hop. Petite présentation rapide. Il a été très très bien décoré celui-ci. Vraiment beaucoup de goût. Vraiment très sympa. Voilà, donc là du coup bah c'est parti pour les draps, changer les draps. Etc. Voilà, du coup bah on enchaîne. Ah oui, si hier je voulais partager ça avec toi, plutôt marrant parce que j'étais dans la rue en train de justement de gérer mes appartements et j'ai quelqu'un qui m'a interpellé et qui me dit ah mais t'es Sébastien, la personne que j'ai vue sur YouTube et j'ai rejoint ton programme de formation. Du coup, il était super pressé parce qu'il reprenait le train et ce qu'il me dit, c'est que il me dit franchement top. Il me dit, moi j'ai déjà maintenant 6 sous-locations, dont 2 dans ta ville, donc il en fait aussi dans ma ville. Donc beaucoup de personnes, je pense, sont allées sur ma ville, mais après, franchement, faites-le partout, il n'y a pas que ma ville, parce qu'au bout d'un moment, le marché va être saturé. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une petite vidéo sur YouTube. Et il y en a 2 ici et 4 dans le 35. Et du coup, il me dit top, excellent. Il me dit moi, j'adore ce que je fais quoi. Donc voilà, c'était la petite, le petit mot du jour, enfin la petite pensée du jour à cette personne que j'ai croisée hier dans la rue. Peut-être que d'ailleurs tu verras cette vidéo. Et donc du coup, on continue parce que là, tu vois, du coup, on avait installé un Nuki. Donc voilà comment ça se passe. Tu vois, t'as le petit boîtier qui est ici, qui est relié directement à l'interphone. Alors c'est pas compatible avec tous les interphones, mais ça permet eh bien de déclencher la porte. Tout simplement avec l'application Nuki. Tac. Voilà, et ça se branche directement ici. Allez, on continue. Ouais. Bon, bah bon courage. Ouais. Me voici donc dans l'appartement que tu as déjà vu sur les vlogs précédents. Donc pour te voir un petit peu, on a quasiment fini là, on lance cette semaine. Voilà, tout est prêt. Donc là, les petits radiateurs que je t'avais fait voir qui sont pilotés par Wi-Fi, il faut que j'installe la box qui est juste ici. Là, on va déplacer tout ça aujourd'hui. Voilà, là on arrive sur la pièce principale. Donc voilà un peu le résultat. Bon, il reste quelques agencements, mais on est quand même plutôt pas mal. Voilà, ensuite on arrive sur une première chambre, donc il reste à faire les lits, etc. Terminer, mettre quelques petits meubles, bien évidemment. Mais voilà, grosso modo, ce que ça va donner. Voilà. Et là, il reste donc cette chambre ici qui reste à terminer. Et voilà à peu près le résultat de cet appartement. Allez, là, on va enchaîner ce qu'il faut qu'on aille. On a encore pas mal de boulot à faire aujourd'hui, des petites choses, des petits détails. Mais bon, mine de rien, tous ces petits détails prennent du temps. Donc, on va terminer ça tranquillement aujourd'hui.
Bon voilà, c'est terminé pour ce weekly vlog. Donc tu as pu partager tout simplement mon quotidien. Bien entendu, je vais en refaire d'autres. Donc là, c'est le bon moment pour lâcher le gros pouce bleu si ce format t'a plu. Bien évidemment, comme je te le disais, je vais en refaire d'autres. Donc ça prend un petit peu de temps, il faut s'organiser, mais pourquoi pas. Donc n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne hein, si c'est une chaîne YouTube qui te plaît. On parle d'immobilier, d'investissement locatif, tu vois, on parle de concret, d'entrepreneuriat, de sous-location, de conciergerie d'appartement, de business, de bourse aussi parfois, crypto-monnaie, ça m'arrive d'en parler également. Bref, je partage avec toi tout simplement mon quotidien d'investisseur, d'entrepreneur, puisque je suis entrepreneur depuis pratiquement 25 ans maintenant. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Et puis pour terminer, je vais t'offrir une formation totalement gratuite sur justement comment créer un business autour de la conciergerie d'appartement. Si ça t'a plu ce format là et si c'est quelque chose qui te plaît, et bien franchement je t'invite à récupérer cette formation totalement gratuite. Donc juste pour rappel et on terminera là dessus, la conciergerie d'appartement, nous ne sommes pas des agents immobiliers, qu'on soit très clair, on n'a pas de carte G, on n'a pas de carte T. Mais ça ne nous empêche pas de faire ce type d'activité tout simplement parce qu'on ne fait pas le même boulot qu'un agent immobilier, on ne cherche pas des clients, on ne collecte pas le loyer pour les locataires ou pour les propriétaires. Nous, on s'occupe de rien de tout ça, on s'occupe de faire de la prestation de service autour des entrées, des sorties, du ménage. On répond aussi sur les différentes plateformes Airbnb et Booking, bien évidemment, pour aider les propriétaires à gérer ça. Mais on n'est absolument pas agent immobilier et bien entendu, on n'a pas pour vocation de faire la même chose que les agents immobiliers. Donc, c'est pour ça que notre activité n'a pas besoin de carte G ni de carte T. Donc, c'est une activité qui est 100% légale et que je vous invite à faire puisque c'est un excellent moyen, en partant de zéro, eh bien, de gagner de l'argent très rapidement. Très rapidement. Et du coup, voilà, c'est un business qui est relativement simple à mettre en place. Par contre, très clairement, il faut vraiment automatiser un maximum de choses. Il faut être très, très bien organisé. C'est pour ça que j'en parle à travers ma formation que je vous ai préparée. Tout ça à récupérer tout en bas dans la partie description. On a terminé. N'hésite pas encore une fois à laisser un gros pouce bleu si ce petit format il t'a plu. Je vais te souhaiter une excellente journée. Tu vois, on est dimanche. Il fait super beau. Voilà. C'est très sympathique. Je te souhaite une excellente journée et je te dis eh bien à très bientôt. Ciao !